Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier Canson qui va porter sur les carnets de voyage aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, pendant qu'on s'installe, je règle la caméra. Voilà, et vous m'envoyez des petits messages pour me dire ce que vous entendez bien. Et pendant ça, je vais vous parler du matériel qu'on va utiliser. Voilà, très bien. Bonjour à tous. Donc voilà le matériel qu'on va utiliser, que vous avez vu dans le descriptif. Vous avez aussi dans la description le tirage au sort pour gagner du matériel, comme à chaque fois. On voulait vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur les ateliers en ligne de Canson. On approche des 14 000, hein, je crois, donc c'est super bien. Je salue Claire-Lise et Zoé, mes collègues. À chaque fois, il y a beaucoup de retours et c'est vraiment agréable que vous de voir vos travaux, vous échanger entre vous, vous donner des conseils, tout ça. Alors nous, on peut pas répondre à tout, c'est sûr, mais souvent je réagis, etc. Et Claire-Lise et Zoé aussi. Mais je salue aussi Claire et Alain derrière l'écran qui pourront répondre parfois aux questions que moi je ne pourrais pas voir pendant le son parfait. Mais parfait. Bonjour. Voilà. Donc je laisse un peu tout le monde. Bonsoir de Concarneau. Ah, on va faire un petit tour en Bretagne ce soir, vous allez voir. Bonjour de Québec. J'aurai une petite surprise aussi pour vous. On va voyager. Grâce à vous, je voyage. Là, c'est très chouette. Pendant que je parle un petit peu du matériel, voilà, vous avez les carnets. Hop, je les situe bien. Ça, c'est des anciens carnets de voyage. Voilà. Hop, du Maroc, etc. C'est juste pour vous dire que pendant cet atelier, alors, nous, on va travailler pas sur des petits formats comme ça. On va travailler sur un grand format XL. Parce que d'une part, ça fait un grand carnet de voyage. Et moi, ça va me permettre de faire des dessins qui sont assez grands, que vous puissiez les voir. Voilà, donc ça va être assez intéressant. Alors, munissez-vous de ciseaux, de colle, un stylo bille normal, tout ce qui était dans la description, et puis des papiers différents. Vous voyez, si vous avez des petits bouts de papier qui traînent là autour de vous, le temps que je pose, prenez du papier journal aussi. Du papier journal, un livre. Là, ça, c'est une vieille partition de musique. Ça, c'est un bout de journal que j'ai découpé. Des papiers de couleur. Si vous avez du papier de couleur, prenez du papier craft, un bout d'enveloppe, par exemple. C'est de couleur un petit peu marron. Qu'est-ce qu'il y a donc? Du scotch. Alors, du scotch normal et du scotch plutôt comme ça, du scotch reposant. Ça m'est souvent servi pendant les cours. Est-ce que j'oublie quelque chose? Une gomme, évidemment, crayon. Et on va faire pas mal d'essais. Donc, j'ai l'impression que le... Bonsoir, mais bonsoir de Belgique également. Bonjour de Bruxelles, super. Le son est haché. Est-ce que le son est haché pour tout le monde? Alors, c'est moi qui ai une mauvaise diction. Dites-moi, est-ce que le son est bon? Voilà. Est-ce que le son est bon? Bonjour de la Drôme Provençale. Souci de son. Ah! Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Est-ce que là, quand je parle comme ça, vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mes mains, que je puisse dessiner? Parce qu'après, on va faire pas mal d'essais. Est-ce que... Voilà. Martine Rotoli, bonsoir Dominique, une première pour moi, mais je suis ravi de vous accueillir. Est-ce que le son passe? Le son est moyen. C'est bizarre ça. Attendez, je vais monter le son de mon appareil. J'ai son OK. Écoutez, ça peut-être ça vient aussi de les super bien. Écoutez, je pense qu'on m'entend. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on va voir à l'écran. Oui, le son est top. Merci. Tati Tali. Oh, coucou de la région lyonnaise. Ah, j'embrasse fort mes enfants qui sont à Lyon. Bonsoir Nicole, ravi de te voir aussi. Bonjour du Lot, c'est chez moi. Voilà, on va commencer avec ces petites présentations. Après ces petites présentations, oui, beaucoup mieux. Mais parfait, c'est revenu, fantastique. C'est parti. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer pas mal d'exemples aujourd'hui.
Pas mal d'exemples parce que je voudrais que, même si je sais que parfois je vais dessiner un peu vite, j'en conviens, mais j'aimerais vous montrer beaucoup de choses, comme ça en replay. Je sais parfois au bout d'une demi-heure, on est un peu fatigué, on a autre chose à faire, on doit s'arrêter. En tout cas, je ferai beaucoup de choses, comme ça pendant le replay, vous pourrez, y revenir pour faire d'autres pages. Donc vous inquiétez pas, si parfois ça lâche un tout petit peu, je préfère montrer beaucoup de choses à disposition pendant tout le temps, parce que les replays seront toujours à disposition, plutôt que de faire un seul exemple de carnet de voyage, je vais vous expliquer pourquoi, et que vous restiez un petit peu sur votre faim. Donc on va commencer. Moyen à Miami. Ah, on va loin. On va loin. Beaucoup mieux le son. Ah ben on voyage. Pour les premiers de voyage, pour les carnets de voyage, c'est parfait. Allez, on va commencer. Et je suis ravi que vous soyez là. Alors, nous allons parler des carnets de voyage. Alors, juste une petite chose. Un petit rappel historique. Alors, les carnets de voyage sont très très en vogue hein, depuis pas mal de temps. Et bon, je pourrais en sortir plein plein plein. Je vous montre quand même ce qui a un petit peu dicté les carnets de voyage modernes, c'est les carnets de voyage de Delacroix au Maroc. Vous voyez des dessins, des annotations. Lui, c'était pas dans un sens à être exposé, c'était juste des carnets de notes. Mais quand même, ça a donné certaines bases pour des carnets de voyage. Vous voyez juste des dessins, des petites notes pour ce qui va être pas la norme, mais quand même ça va donner pas mal d'indications pour les voyez par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a là par exemple? On a des dessins au crayon, on a des dessins à l'aquarelle, on a un texte, donc on a de l'espace assez clair. Donc il y a toute une répartition de l'espace qui va être extrêmement importante pour nos carnets de voyage, et ça j'y tiens beaucoup parce que justement vous allez pouvoir faire des carnets de voyage parfois avec très très peu de moyens. Et là, je m'adresse à tout le monde. Vous pouvez faire des carnets de voyage, même si vous n'avez pas un super niveau en dessin, en aquarelle, etc. Vous pouvez faire des merveilles avec un minimum de choses. Alors là, Delacroix, ben, je vous reporte au carnet de Delacroix. Et je vous montre un autre qui est beaucoup plus ancien, qui est Gabriel de Saint-Aubin. Alors, c'est pas un vrai carnet de voyage, c'est un carnet de dessin. C'est un facsimilé. Alors c'est pas un carnet de voyage, mais c'est pour vous montrer un petit peu, c'est magnifique, hein, cet objet absolument magnifique. Mais vous avez l'idée comme ça des dessins qui se succèdent, parfois des pages blanches, des papiers collés. Les papiers collés, ça va être très important pour aujourd'hui. Parfois des vides, parfois voilà, du papier collé, etc. Des vides entiers, peut-être des manques, etc. Vous voyez ce grand vide, mais en valeur le dessin. Ça va être important pour nous. Des grands vides, etc. Le papier qui a jauni, etc., etc., etc. Des erreurs, là, il y en a très peu pour Gabriel de Saint-Aubin, mais les erreurs vont être rattrapées aussi par les bons dessins. Donc voilà, Delacroix, Gabriel de Saint-Aubin, pour moi, c'est deux grandes références à la fois du dessin et de la composition, donc de la mise en scène. Alors, on va travailler sur du papier canson XL mix média. Voilà, je vous montre multitechnique là, sur du 160 grammes qui est décliné aussi en 60 grammes, en 160 grammes sur du A5 et en 300 grammes sur du A5. Voilà. Alors moi, je vous conseille quand vous partez en voyage, c'est d'avoir un grand carnet et d'avoir un petit carnet. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur le grand carnet, vous avez votre carnet définitif et le petit carnet, vous pouvez faire des essais, des brouillons, mais qui vont s'avérer parfois peut-être être très pertinents et de recoller, de déchirer, de découper, de mettre dans le grand carnet. On va parler sur un petit exemple d'un dessin pour vous montrer si je retrouve ma tour Eiffel. Évidemment, je ne l'ai plus. Comment est-elle passée, ma petite tour Eiffel? Voilà, elle est là. Alors, imaginons, je fais un dessin. Est-ce que tout le monde voit? Alors, les commentaires, Claire va vous expliquer comment enlever les commentaires. C'est assez simple. Alors là, par exemple, j'ai un dessin. Une tour Eiffel. D'accord? Dessin, peu importe la qualité du dessin, j'ai un dessin. Imaginons que j'ai un carnet de voyage. Alors, par exemple, voilà, j'ai fait un dessin et je marque Paris 5 avril 2022. Alors, c'est travers, c'est écrit en gros, est-ce que le texte va nuire au dessin? Est-ce que le dessin est mis en valeur? Je ne sais pas. Je pose des questions pour l'instant. Pareil, là, il est en plein milieu. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Je le mets là? Je le mets de travers? Est-ce que ça suffit? C'est trop gros, le graphisme, etc. Autre exemple,
Voilà. Est-ce que juste ça, ça fait carnet de voyage ou pas? Voilà. D'accord? Un autre exemple qui fait plus ce carnet de toutes les couleurs. Vous mettez votre dessin et vous écrivez... J'ai un peu forcé le trait avec des couleurs différentes, c'était super, vous avez passé une très belle journée aujourd'hui. Effectivement, ça fait carnet de voyage, etc. Mais on peut essayer d'améliorer ça un petit peu avec des choses extrêmement simples. Et je vous montre comment, par exemple, et on va le faire après. Voilà, regardez. Vous voyez cette page? Voilà, il suffit que je fasse ça, par exemple. Voilà. Là, le texte, alors, ça peut être un récit de votre journée. Là, j'écris un poème à Paris, de Francis Lemarque. J'ai juste écrit la date comme ça et j'ai juste fait un double cadre à la règle. C'est vraiment pas compliqué, mais d'un coup, ben, il se passe quelque chose. Là, le logo du métro, je peux, si je veux, prendre un post-it. Je peux le coller avec le nom de la station. Je peux coller un ticket de métro. Je peux laisser du vide là pour si j'ai d'autres tickets de métro, si j'ai un autre souvenir, un ticket, tout ça. Et d'un coup, ça devient un petit peu plus carnet de voyage parce qu'il y a ce qu'on appelle une mise en page, une mise en scène. Donc, ce qui va être très important pour nous, c'est de dire que dans le carnet de voyage, vous avez trois éléments importants. L'image, qui peut être du dessin, du crayon, de l'aquarelle, des images collées. Ça, c'est une, ça, on va dire que c'est une image dans le sens qu'elle a un aspect graphique qui a son importance. L'image, le texte, vous l'avez bien vu, un texte comme ça qui va suivre là, va mettre en valeur notre dessin. Et troisième, le vide. Alors, ce que j'appelle le vide, on pourrait dire ça les silences dans des chansons, le silence dans un film, dans un texte, quelqu'un qui lit au théâtre, qui va très 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 vite, il faut quand même des silences pour mettre en valeur. Donc dans cet exemple-là, peut-être ce silence-là, ce vide-là, met en valeur ça. Alors que si je sature trop, alors parfois je sature beaucoup, vous le voyez, mais j'alterne. Là, par exemple, il y a très peu de choses, vous le verrez. Il y a très peu de choses. Voilà, là, c'est saturé. Là, il y a très peu de choses. Là, c'est saturé. Enfin, saturé, voilà. Là, il y a juste deux dessins. Donc, il y a toute une mise en scène. Là, c'est très épuré, c'était en baie de Somme. Et là, les tout petits textes, là, à l'écran, vous voyez pas ce qui a marqué. Et je vous assure, j'ai pas écrit du Proust, hein, mais c'est juste des petits, des petites indications avec des petits dessins. D'accord? Donc, il n'est pas nécessaire, voilà, de faire énormément. Ah, ça, c'était un dessin de mes enfants. Voilà, si j'avais dessiné mes enfants à la plage, à Concarneau, justement. Voilà, donc là, quelque chose d'aéré, quelque chose de très soutenu. Donc, toujours une mise en scène, une mise en page. Voilà, sur deux pages. Et là, un texte avec breton, avec le drapeau breton. Voilà, une double page. Donc, la mise en scène, pour moi, est très, très importante. D'accord? Donc, on va se lancer sur un petit paysage. On va essayer de faire quatre petites feuilles de carnet de voyage autour de quatre destinations. On va faire Paris. On va faire Montréal. On va faire la Bretagne, et puis le dernier, on va faire des personnages, qu'on m'a beaucoup demandé de faire des personnages, un petit peu à Venise. D'accord? Donc on va commencer sur du papier d'abord normal. Voilà, je prends mon blog, donc vous prenez votre blog. Après cette petite introduction un petit peu longue, et maintenant, on va travailler voilà, sur notre carnet. J'espère que vous entendez bien, que tout va bien. Voilà. Bonsoir de Finlande. Super. Et il neige. C'est parti. Alors, on va faire un petit voyage à Paris pour l'instant. Donc là, je vais utiliser du XL. Moi, souvent, quand je vais en voyage, j'ai toujours deux carnets de voyage. Donc là, je vais prendre le XL 160 grammes, qui est un petit peu plus fin. OK? Donc là, on va faire un petit dessin. Donc, ce que je vais faire, vous allez voir, une petite mise en situation. On va faire une page de Paris. Je vais faire un petit décor là. Alors, je vais m'inspirer de ça. Vous allez voir pourquoi. On va y aller crescendo. On va faire des dessins très simples au début et après plus complexes. Vous voyez par exemple ce dessin. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Voilà. Il y a trois Florians. C'est juste des petits traits. Sauf que ça, c'est la mise en scène qui met... Vous voyez, j'ai rien mis autour. Mais le fait d'avoir des bateaux à côté, j'avais collé un timbre à l'époque, etc., nous fait comprendre que c'est une petite crique ou un port. Vous comprenez? Donc là, on va faire un dessin
extrêmement simple. Donc on va prendre à peu près la largeur. Alors ce que vous allez faire, vous pouvez prendre une petite règle, vous pouvez le faire à la main. Et vous allez prendre, pour l'instant, un bic tout simple. Vous allez prendre un bic tout simple. Alors, soit vous le faites à la main, soit voilà, vous allez faire un petit cadre, comme ça. Voilà. Je pense que, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà. C'est bon? Est-ce que tout le monde voit bien ça à l'écran? Carnet format portrait plutôt que paysage. Ah oui, ça c'est une grande question. Mais vous allez voir, on va en parler. Donc là, on va faire une petite vue de Paris. Une petite vue de Paris, mais très simplifiée. Je vais faire, pas sur les bords là, je vais faire une espèce de petite ligne, un peu comme ça. On va faire, on le fait ensemble, c'est parti. Vous faites des petits traits et vous faites comme des petits bâtiments. Voilà. Hop. Parfois, là, petite fenêtre, tout ça, voilà. Ok? Et on va simplifier la tour Eiffel au maximum. Vous allez faire juste ça. Ok? Et je pense que n'importe qui dans le monde va la reconnaître. Vous la voyez bien? Voilà, c'est pas trop compliqué. On continue notre petit... Voilà. Des bâtiments, des cheminées. Et on va faire un arc de triomphe. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous rejoignent, est-ce que vous pensez que j'ai le temps de faire ça sur la place de l'étoile? Non, non, non. Ça, on l'a fait en atelier. D'ailleurs, je vous rapporte à tous les ateliers qu'on a fait précédemment. On avait fait un atelier sur l'arc de triomphe d'architecture. Donc ça, c'est fait en atelier pendant 2 heures. Ça, vous ne pouvez pas le faire comme ça, évidemment. Donc, je vous invite à regarder si vous voulez revoir cet atelier. Donc nous, on va juste faire une simplification de l'arc de triomphe. Mais vraiment. Ok? Je ne fais pas plus compliqué que ça. Ok? Vous voyez bien, j'avance doucement pour que la mise au point. Ok? Et je continue mes petites maisons. Je peux faire quelques zigouillis pour les arbres. Et on peut faire au loin, si on veut, aller Montmartre, par exemple. Montmartre. Ou un petit dôme. Voilà. D'accord? Voilà. C'est 3 fois rien. Voilà. Vous pouvez foncer un tout petit peu avec le bic. Voilà. Juste ça. D'accord? Est-ce que tout le monde le voit bien? C'est bon pour tout le monde? Oui, on voit bien. Très bien. Excusez-moi. Je vais déchirer cette page et la découper. Donc là, on a notre petit dessin. Sauf que, blanc sur blanc, bah, ça ne rend pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va prendre du papier coloré. Exactement comme ça. Là, il y en a encore 2. Alors, je pourrais faire un double cadre au bico si c'est possible. Mais là, je vais juste faire ça, comme ça. Voilà, je calcule là. Préparez vos ciseaux et votre colle. Merci Joseph. Voilà. Ce que vous allez faire, vous laissez un tout petit peu de d'espace. Voilà. Ok? Hop. Et on va mettre ça en bas par exemple. D'accord? C'est vraiment tout simple. On va coller.
J'ai collé la mauvaise feuille. Voilà. Hop. Je le mets là. D'accord? Pourquoi je fais ça aussi? Parce que souvent, quand vous achetez un très beau carnet, on se dit, non, si je rate une feuille, si je rate une feuille, tout à l'heure, on va faire exprès de rater quelque chose et on va le recouvrir, vous allez voir. Là, je colle mon montage. Voilà. Et je le mets en bas, par exemple. Voilà une première étape. C'est tout simple, mais déjà, il y a quelque chose qui se met en place. Bonjour de Québec, très bien. On voit bien l'image, très bien. Alors, on verra pour les inscriptions plus tard. Là, ce qu'on va faire, on va faire une petite tour Eiffel à l'aquareur là, et là, un petit personnage. Alors, j'avais pensé, je sais pas, on va être un petit peu dans le cliché, la caricature, mais une petite parisienne style Coco Chanel, comme ça, un truc comme ça, vous allez voir, ça va être très simple à dessiner. Vous prenez par exemple, allez, on va prendre un autre papier. On va prendre un papier gris cette fois-ci. Sinon, vous prendrez un papier blanc ou crème. Celui-là. Voilà. Je vais en faire plusieurs. Et là, cette fois-ci, on va prendre un crayon à papier. D'accord? Donc là, vous me suivez. C'est bon pour tout le monde. Voilà. On va faire une soucoupe volante. Ça, c'est notre chapeau. D'accord? Ok. Un petit visage. Comme ça. Ok. C'est bon pour tout le monde. J'essaye de ne pas aller trop vite. Mais, encore une fois, voilà, on va faire une espèce de manteau, d'écharpe, comme ça. Et vous foncez. D'accord? On va lui faire une petite boucle de cheveux, comme ça. Ouais, c'est des dessins très très simples au début. On va faire plus compliqué après. Bonjour de la ville de Québec. Nous allons au Québec juste après Paris, vous allez voir. Alors, petit déhanché de notre petite égérie parisienne. Juste ça, comme ça. Ok. On va faire un petit col. Voilà. Alors, si vous voulez. Voilà. Pas trop spécialiste en mode, s'il avait des... D'accord? On fera des personnages, des vrais personnages après, mais des modèles tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Alors, il est un peu grand. Je vais le refaire petit, comme ça, ça vous laisse le temps de le refaire. Moi, je vais le faire plus petit parce que c'est trop grand pour ma feuille. Donc, je le refais rapidement et vous allez à votre rythme. Voilà. Comme ça, ça vous laisse le temps de le finir. C'est bon pour vous? Voilà. Bonjour du Mans. Ah, j'étais au Mans la dernière fois pour un atelier, justement. Je salue Créatitude Le Mans qui m'a très très bien accueilli. Et je salue Eric Bonhomme Lacour et toute son équipe. Pareil, on va découper. Coller ça.
Pour l'instant, on est sur des dessins simples et collages. Ah oui, je vous préviens, peut-être je vais déborder un tout petit peu aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire. Donc, ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc là, si je le mets en plein milieu, bof, je ne sais pas. Voilà. Encore une fois, moi, ce que je vous propose, c'est moi ce que j'expérimente par mes propres voyages, mes propres choses. Après, moi, j'attends de voir ce que vous allez aussi proposer avec vos... voilà. On va le mettre là. D'accord? On va le mettre dans le coin. D'accord? Pour l'instant, on est image. Donc là, on est dans la, première partie. Image, ok? Et je voudrais une petite touche d'aquarelle qu'on va faire à même le papier. Et pareil, si on se trompe, on le recouvrira par ça. On va s'inspirer de cette tour Eiffel-là. D'accord? Donc là, on va faire quelque chose... Peut-être, là on la devine là, mais on va faire quelque chose d'un peu plus... Voilà. Voilà. Eiffel. Si elle n'est pas super bien faite, le principe d'un carnet de voyage, comme je vous dis, hein, c'est pas de faire ça. Hein. Ok, on n'est pas là-dessus. Hein. Vous n'avez pas le temps de faire ça pour un carnet de voyage. Donc là, on fait quelque chose de plus rapide. Vous n'allez pas faire toute la structure, donc vous faites juste, vous croisez comme ça. Vous pouvez mettre un peu d'ombre dessus. Voilà, ça, vous faites un dessin. Et on va faire un petit peu de verdure comme ça. Si les proportions ne sont pas totalement justes, c'est pas grave. Le principe, c'est plutôt que de prendre des photos, c'est vous avez ce petit carnet de souvenirs à la fin qui est comme ça. Juste une petite tour Eiffel comme ça. D'accord? Et là, on va faire un petit peu de couleur. D'accord? Donc, à faire... Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de lumière? Oui? Est-ce que tout le monde voit bien? Moi, sur mon écran, j'en vois pas mal. Voilà. Alors, là, on va faire un petit peu de... Donc là, j'utilise de l'aquafine de chez Dallaire-Rosnay. Très pratique en voyage. Voilà. Là, j'ai un format un peu plus grand. Comme ça, vous pouvez voir les couleurs. Je vais me décaler un peu. Je pense que vous voyez les couleurs. Toujours prendre un petit papier pour faire des essais. Voilà. Il y a un peu de travers, ma tour Eiffel. Bon, c'est pas grave. Comme je dessine un peu décalé pour que vous voyez ma main, parfois, il y a des petites anamorphoses qui se produisent, mais c'est pas grave, j'espère que vous maintiendrez par rigueur. Voilà, on va foncer un petit peu pour avoir un peu d'ombre comme ça. Ça, c'est un croquis que vous pouvez vraiment faire au Champ de Mars en peu de temps, vraiment en peu de temps. Donc là, il y a des petits pinceaux dans ces boîtes là qui sont très pratiques. Donc ces petits pinceaux, pareil de voyage, gardez bien ça parce que ça vous permet de pas avoir des poils qui se tordent. Donc là, vous mouillez derrière la tour Eiffel. Alors là, je vous renvoie. Cet atelier carnet de voyage fait un mix un peu de tout ce qu'on a fait, Claire-Lise, Zoé et moi. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'utilisation des feutres, des aquarelles, des crayons, de plein de choses. Et je vous renvoie vraiment à tous les ateliers qui sont disponibles en replay. Je vais prendre un peu de bleu. Alors, pas obligé de faire plein de nuages. Juste, vous déposez juste comme ça. Et ça suffit largement, ok, voilà. Hop. Et on laisse, d'accord, pour le bas aussi pareil, voilà. On va mettre, alors fabriquez votre verre, hein, ça c'est toujours mon conseil, fabriquez votre verre, voilà, ok, d'accord, et pour la tour Eiffel, on va prendre une espèce d'ocre jaune, pourquoi pas, là vous n'êtes pas obligé de la peindre en entier. C'est vrai, c'est sa couleur. J'ai fait mal. Même si vous pouvez faire des couleurs un peu différentes. Ok, ça y est, on a nos trois étapes. On a les images. Voilà, maintenant on va passer au texte. D'accord? Alors ce que je vous propose, est-ce que tout le monde voit bien déjà la mise en place? Ah, serait-il possible de zoomer? Je ne peux pas zoomer, mais je vais le monter très doucement.
Voilà, très bien. Donc là, on a nos images. Maintenant, le texte. Alors, vous pouvez marquer. Alors, franchement, vous pouvez marquer plein de choses hein, de loin. Vous savez pas ce que j'ai marqué hein, sur certains carnets. Comme je vous dis, c'est pas des. Parfois, c'est pas des pensées très très profondes. Hein. C'était juste, ah ben, nous étions en train de déjeuner. Là, c'est écrit comme ça. Il n'y a pas besoin d'écrire des grandes. De la grande littérature, enfin vous pouvez, si vous le faites, c'est encore mieux. Là, je vais m'inspirer. Alors, vu qu'on va pas avoir le temps, là j'avais écrit le texte. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Vous trouvez cette chanson qui s'appelle À Paris de Francis Lemarque, et vous allez pouvoir l'écrire là. Moi, je vais juste écrire un petit bout du poème de Guillaume Apollinaire sur le pont Mirabeau coule la Seine. Alors, où je le marque? Si je l'écris en gros, ça va mal aller. Est-ce que je le mets là? Moi, j'ai envie de l'écrire peut-être. Allez. Dans la. Un petit peu décalé peut-être. Allez, on va l'écrire comme ça. Vous pouvez l'écrire avec moi? Après, on. Voilà. J'ai. Alors. Passe. Les. Et passe. Les. Semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Alors là, ceux qui ont une belle calligraphie, une belle écriture, profitez-en. Vous voyez, j'écris pas trop gros. Il faut que ça soit en adéquation. Si j'avais écrit ça trop gros, il faut savoir que le texte a aussi une partie graphique très importante. Reviennent. Alors là, je peux sauter là, sous le pont. Mirabeau coule la Seine. D'accord? Et là, on peut finir. Vienne la nuit. Je prends un peu ce temps là d'écrire, mais c'est important pour un carnet de voyage. Prenne la nuit, vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont. Là, on peut décaler. Je demeure. Pourquoi pas? Ok. Alors, ce vide-là, laissez-le comme ça. Peut-être un carnet de voyage, mais vous mettrez un ticket. Vous mettrez, je sais pas moi, un pétale de fleurs que vous avez récupéré. Là, ce qu'on peut faire, c'est juste ça. Vous mettez là. Vous mettez Paris, 5 avril 2022. Voilà une première page. D'accord? Je monte un peu. Voilà. D'accord? À vous de faire ce qu'il y a là, en haut à droite. Moi, je vais faire d'autres exemples, mais voilà une première idée. D'accord? Voilà un esprit carnet de voyage. Je suis obligé de tapoter pour tourner la page. On va partir du côté de Montréal maintenant, et je salue tous ceux qui sont là-bas, Québec. Voilà. Donc là, on va faire des dessins un petit peu plus, poussés. Donc j'ai trouvé ce livre, ça s'appelle Montréal, aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui, non, avant et maintenant, pardon. Et on va faire des petits, un petit peu d'architecture. Alors je vais vous montrer. Quand vous êtes en voyage et vous êtes face à ça. Ah, il y en a un autre que je vais vous montrer. Excusez-moi, parfois je fais des allers-retours, ça. Ça, par exemple, ça, c'est la vue de Paris tout à l'heure. Vous n'êtes pas, vous pouvez faire comme ça et des éléments. Voilà, c'est exactement une espèce de vue comme Paris tout à l'heure où j'ai fait très simplement. On va faire des éléments, par exemple, d'architecture. On va prendre. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien, etc. Donc là, vous pouvez prendre un crayon ou vous pouvez prendre un bic comme vous voulez. D'accord? Donc là aussi, je vous rapporte à la vidéo sur l'arc de triomphe. Vous pouvez pas tout faire. Vous êtes là, vous êtes, il y a des gens qui vous attendent. On peut être fatigué, donc on peut pas tout faire. Donc on va simplifier. Là, l'église, en gros, ben c'est juste trois parallélépipèdes, un parallélépipède comme ça, ok, surmonté de deux autres parallélépipèdes, ni plus ni moins. Vous voyez?
C'est juste ça au début. Donc, quand vous avez ça en tête, vous pouvez le construire, mais vous n'êtes pas obligé de faire tous les détails. On va essayer. N'hésitez pas, là j'ai fait des traits uniques, mais n'hésitez pas à faire des traits en cherchant. Ça donne ce côté croquis. Vous montre par exemple une église que j'avais faite à Quimper. Vous voyez, ça c'est notre Paris très simplifié. Ça c'est dans les vues de Quimper par exemple. Et une petite église que j'avais faite aussi à. Elle doit être. Je cherche là, je cherche. Ça, j'étais assis. Oui, j'ai été assis pendant longtemps. J'attendais quelqu'un ou j'avais le temps, il faisait beau. Bon, je vais la retrouver. Je vais pas passer toutes les. Voilà. Voilà. Ça, je l'ai fait sur place. C'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire des petits traits, et même s'il y a des erreurs, peut-être vous la connaissez pas, cette église de la Forêt-Fouesnant, mais s'il y a des petites erreurs architecturales, c'est pas trop grave. Alors malheureusement, je suis jamais allé à Montréal. J'espère y aller au Québec. Donc j'espère que je vais pas trahir ce bâtiment et d'autres qu'on va faire, mais qui soit reconnaissable pour les gens qui habitent là-bas ou voilà. Donc un petit croquis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça c'est dans l'ombre. Je vais foncer. Vous penchez un petit peu votre bique et vous faites juste ça. Ça évitera de faire trop de détails. J'ai ma petite perspective là. Tiens, c'est un petit peu plus large. Si vous trompez, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est ce côté vivant et dynamique d'un croquis. Donc la perspective là, vous voyez que ça va là. Ma deuxième tour est là. J'espère qu'il n'y a pas trop d'anamorphose, prolongement, etc. De nouveau. Oui, je ne fais pas tous les détails des petites tours, mais j'essaye d'aller à l'essentiel. Je regarde quand même les étages, l'un, la rosace, deux, et là. Okay. Vous pouvez mettre des petits accents sur les étages. Même s'il y a un dédoublement. J'espère que vous voyez bien le dessin quand même quand je le fais. Ah oui, je suis désolé. Je peux pas, parce que si c'est trop près, après, vous voyez pas le matériel, mais voilà, pour l'instant, ça donne ça. On essaye de faire au maximum. C'est vrai qu'à distance, hein, c'est très, très. Un zoom de temps en temps. Voilà. Oui, Claire-Lise, c'est vrai. Eh oui, il faudrait que je zoome en direct. C'est pour ça que j'essaye d'écarter ma main. C'est vrai que si vous êtes sur un smartphone, ça va être assez petit, ça j'en conviens. Sur ordi ou une tablette, vous verrez un tout petit peu mieux. Voilà. Allez, par exemple, là, j'ai fait trop petit. Ben, c'est pas grave. Et je m'en excuse auprès des gens qui vivent là-bas. Mais eh bien, je vais pas le refaire. Je suis pressé, etc. Mais bon, j'ai pas trop d'espace. Eh bien, écoutez, vous dites, bon, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai un peu d'espace. Ce qui va compter, c'est peut-être ce toit exactement. Voilà, c'est peut-être ça qui va être plus important. Et voilà.
Je le fais en direct avec vous, hein, mais voilà, vous voyez comment il apparaît. Ma façon de dessiner aussi ne sera peut-être pas aussi la vôtre. Donc, pas de stress. Ce que je vous propose, c'est une façon de voir. C'est pas la façon de voir. C'est une manière de faire les carnets de voyage. Et après, je pourrais m'arrêter. Est-ce que ce bâtiment est utile dans la narration, dans votre voyage, dans votre périple? S'il l'est, oui. S'il ne l'est pas, c'est pas grave. Soit vous faites rien, soit vous faites juste un bâtiment. Et après, on peut s'arrêter. Vous pouvez vous arrêter là. Pas de souci. Si vous voulez, comme ça. Alors, ce qui est peut-être bien, c'est la perspective, comme ça, après. Alors, tout ça, je peux le plonger un petit peu dans l'ombre. Juste avec des traits. Voilà. Hop. OK. Vous imaginez bien aussi que le temps qui nous est imparti aujourd'hui ne conditionne aussi un petit peu la façon dont je travaille, et vous allez travailler. Encore une fois, il y aura le replay et vous irez à votre rythme, d'accord? Ok. Alors, est-ce que ça suffit? À vous de voir. Là, on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on continue l'exercice. Ah, c'est peut-être un peu vide. Ah, peut-être je peux mettre le petit bâtiment là comme ça, mais à peine esquissé comme ça. Voilà. Là, je peux faire peut-être des petits. On en fera des petits personnages à la fin. Faire des petits personnages. À dessiner les voitures, c'est super compliqué, je vous avoue. Parfois, j'évite de les faire parce que c'est super dur. Si vraiment c'est nécessaire, hein, mais voilà, on peut faire comme ça. Si vous faites comme ça, des petits personnages. Ça, et vous finissez pas comme ça, vous laissez comme ça. Alors, Notre-Dame, je vais l'écrire en anglais peut-être. Non, Notre-Dame Basilica. Donc, je l'écris où? Imaginez si je fais Notre-Dame Basilica, ça sera trop gros et ça va peut-être pas faire du bien au dessin. Je vais juste le mettre en bas. Notre-Dame Basilica. OK? Voilà. Je vous le montre de plus près. Oh, ça c'est juste un bic, hein. Je travaille juste un bic. J'ai transféré sur télé, c'est mieux pour le détail, mais je suis ravi. Et le principal, c'est de reconnaître, et puis voilà, vous avez absolument raison. C'est un petit peu aussi comment je vois la chose. Voilà. D'accord? Alors ça, on peut aussi passer, si vous achetez des bics ou des feutres indélébiles, des choses comme ça. Vous pouvez effectivement passer de l'aquarelle dessous, parce que ça ne va pas baver. Donc je pourrais mettre de l'aquarelle sur ce bâtiment. Vous voyez, là, j'ai pas fait de détails, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais l'important, c'est que peut-être qu'on reconnaisse cet endroit. OK? Donc là, peut-être, est-ce que ce bâtiment est important pour vous? D'accord? Alors, je voulais faire d'autres essais. On va faire un essai sur un autre papier. Alors, donc là, je me balade dans Montréal, que je ne connais pas encore. J'espère un jour y aller. j'ai pris plein de notes. Donc, oui, par exemple, là, quand c'est bouché comme ça, ben, vous faites des choix. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout dessiner. Ah, on va faire ça, regardez. On va faire ça, vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais prendre un papier coloré. On va prendre un papier coloré de cette couleur-là. D'accord? Je laisse ça là, comme ça, ceux qui veulent finir. Ça, c'est typiquement, vous vous baladez dans la rue, et là, il y a énormément de choses. Vous devez faire une sélection, une hiérarchie. Une hiérarchie dans le sens positif, c'est-à-dire que vous devez choisir, est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Est-ce que c'est le dôme? Ce lampadaire, moi, il m'embête. Il m'embête parce qu'il passe devant, donc vous n'êtes pas obligé de le dessiner. Est-ce que cet arbre, vous le trouvez pertinent, etc. On va faire un petit peu en long. Donc là, on va le faire, par exemple, avec le crayon. Donc, si vous avez cette image-là, imaginez que vous êtes assis sur le bord. Qui c'est qui a sonné? J'espère que c'est pas moi. Je m'étais mis en silence. OK. Pas droite, les tours. Ah, chez moi, peut-être. J'ai pas fait les tours droites. Ah, elles sont pas très droites. Ou chez vous, je sais pas. En tout cas, oui, c'est moi qui ai dû sonner. Excusez-moi. Donc là, regardez. Moi, ce qui m'intéresse peut-être juste, c'est le dôme. OK?
Imaginez que vous êtes assis pendant un tout petit peu de temps. Comme moi, pareil, pour l'atelier. Comme moi, pour l'atelier. Je regarde ma montre, je me dis, il me reste tant de temps. Et là, il me reste, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je dois. Voilà. Idéalement, j'aimerais bien passer 2 heures avec vous à faire plein de choses. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas. OK. Donc là, je vais pas faire le lampadaire devant. Par contre, peut-être les arbres m'intéressent un petit peu plus. Je mets un petit peu d'ombre. Voilà. OK. D'accord, c'est pareil, c'est très très simple. On va faire des choses comme ça. Je peux découper. Ça, c'est peut-être un côté. Je vous avoue, là, il n'est pas trop abouti, mais je vois l'heure et je voudrais quand même continuer. J'ai quand même découpé droit. Alors là, par exemple, moi, je trouve le dessin faiblard. J'ai pas le temps. Vraiment, je le trouve faible. Je suis pas content de moi. Et ça arrive souvent. Mais je me dis, oh là là, c'est dommage, je vais pas, il faut que je rattrape le truc. Alors là, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais écrire un petit peu le texte comme ça. Et là, vous pouvez écrire, ben Dominique a trouvé qu'il a raté son dessin. J'ai pas eu le temps de le faire, j'espère le voir en replay. Vous écrivez ce que vous voulez en fait. Ça, c'était pas prévu, par exemple. On s'adapte, son consacré à la réparation et la restauration de l'édifice, par exemple. OK, ça ne me plaît pas non plus, etc. Alors peut-être juste ce texte-là peut me rattraper un tout petit peu le dessin. OK? Parce que le dessin, je le trouve pas top. Mais je vais pas le déchirer. Je peux l'intégrer. Hop! Regardez. Je le mets là. Ah, on va le découper un peu parce que ça mange. Je le mets là. Dans les carnets que je vous montre, il y a des dessins dont je suis moins content. Hein. Mais j'essaye de les rattraper par ceux où je suis plus content. Et vous faites juste ça, vous le collez. À ce moment-là, le dessin que vous trouvez mieux va rattraper celui que vous aimez peut-être moins. D'accord? Vous voyez? Je colle rapidement. J'espère que vous pouvez me suivre peut-être un quart d'heure de plus, peut-être. De toute façon, il y aura le replay. Je sais que ça déborde. Mais j'aimerais vraiment vous montrer plein de choses. Voilà. Et pareil, le vide. Alors là, un texte, pareil, un ticket de métro, n'importe quoi, etc. Voilà, déjà là, on a voyagé. Il y a du vide, mais on va voir. On est à la Paris, on est à Montréal, on va faire un petit tour en Bretagne. Voilà, je vous remontrerai tout à la fin. OK. Vous voyez qu'une économie de moyens, une économie de moyens. Franchement, ce dessin n'est pas génial, mais bon, c'est pas grave. Un carnet de voyage. Je saute une page pour pas qu'il y ait des... Voilà. On va partir un tout petit peu en Bretagne. Et on voyage très vite pendant 7 heures. Donc là, on va faire une autre petite technique assez simple qui va consister avec le scotch repositionnable. C'est une technique que j'ai utilisée là. Merci, Jojo. Est-ce que tu peux me prendre ça? Voilà, merci. Je vais vous montrer... si je le retrouve, évidemment. Voilà, c'est ça. Alors là, j'ai fait exprès de vraiment mettre du texte. On va pas mettre autant. Mais j'ai fait une bande comme ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple,
c'est changer la direction de votre carnet. Donc là, on va prendre du scotch repositionnable et pour enlever de l'adhérence, vous allez un petit peu le scotcher soit sur la table, soit sur un pantalon, un jean, n'importe quoi, pour enlever un petit peu d'adhérence. Ok, vous calculez à peu près. Moi, je mets ça, hop, pour l'instant sur le jean. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, vous collez là. Ah, pour l'instant, j'ai mis surtout j'avais surtout mis des zones en horizontale plutôt dans la balle, là, je vais le mettre plutôt vers le haut. Ok, et vous collez pour avoir un petit rectangle. Ok, et alors ce qu'on peut faire, ça je vous renvoie à un des premiers cours aussi sur comment faire les nuages et l'aquarelle. Et là, vous allez remettre. Est-ce que tout le monde a vu blanc sur blanc? Est-ce que vous voyez le cadre? Ok. Voilà. Et vous collez là en dessous. Pareil, les premiers carnets, c'est vraiment. Si on se sent pas à l'aise en dessin, mais il ne faut pas se priver. C'est pas parce qu'on doit être un super dessinateur pour faire des carnets de voyage, etc. etc. Vous n'avez aucun. Pas de complexe, pas de truc. Lancez-vous. Là, vous allez voir, on va faire un truc très très simple. Je vais baisser un tout petit peu quand même, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Je vais laisser là, je dois. Là, ce que vous faites, là, je vous en renvoie sur les cours de. Sur les cours de. Ah, quoi? Ouais. Là, merci. Vous mouillez tout. Je vais prendre un pinceau plus grand de chez Graduate. Ou de Deler-Rosnay. Voilà. Mon gros pinceau blanc. J'avais un gros pinceau plus grand. Vous mettez de l'eau là sur toute la surface. Mais ça va. Vous mettez de l'eau. J'avais le gros pinceau blanc. Ah non, il est là. Voilà. Prenez un pinceau plus large. Vous voyez qu'en cherche, ça laisse le temps de vous installer aussi. Vous, hein. Je mets de l'eau partout. D'accord? Ok. Et là, on va prendre des couleurs. Je pense que vous voyez les couleurs. Je sais que la dernière fois, je n'en voyais pas assez les couleurs. Voilà. On va mettre nos trois primaires, du jaune. Voilà. Vous passez, vous mettez comme ça, du jaune, comme ça. Okay. Sur toute la surface et ça bave. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être d'avoir un très grand aquarelliste, hein, je vous rassure. On va prendre un petit peu de rouge. Vous allez faire des petites taches. Ça, imaginez, il y a un soleil couchant. En Bretagne, vous êtes assis en terrasse d'un restaurant, vous avez de l'eau à disposition, puis il y a des godets, vous êtes bien assis. Ou alors le jour décline. Et juste ça. C'est pas grand-chose. Hein. Okay. Alors les mauvaises langues vont dire qu'il pleut souvent en Bretagne, je ne le dirai pas. Mais si vous voulez faire de la pluie, vous pouvez faire comme ça. Hein. Là, on dirait qu'il pleut. Mais, blague mise à part, vous faites comme vous voulez. D'accord? On le voit comme ça. D'accord? On va laisser comme ça. Maintenant, on va laisser sécher pour l'instant. On va dessiner un petit phare qui doit se trouver. Voilà. On va dessiner un petit phare. Ok? Donc là, on reprend le bic de tout à l'heure. Le bic de tout à l'heure. Voilà, on va dessiner un petit phare comme ça. D'accord? Bon, ça va aller, merci. Vous voyez le petit phare là? Ok. Alors, j'ai une manière de faire. Vous avez vu, je dessine toujours un peu pareil parfois. Parfois non, hein, je fais des choses, vous voyez, je me suis amusé à faire des dessins uniquement entrés là-dessus. Voilà un autre exemple. Hein. Là, il n'y a aucun texte et très peu de vide aussi. Hein. Un petit phare.
tout ça, ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Des rochers. Faire une petite ombre là. Voilà. Ça, ça va boucher là. Elle me dit, est-ce qu'il est important pour vous dans ce, dans votre narration ? Oui ou non, je ne sais pas. Là, je ne vais pas le faire pour laisser de l'ouverture. Là, vous voyez, je fais juste des... Je dis des aiguilles, je fais juste des trames, hein, ce qu'on appelle des trames. Évitez juste les trames comme ça. Un jour, on fera un cours sur l'encre de Chine. Évitez, quand vous faites un paysage, de faire des traits comme ça. J'exagère un peu, mais il faut éviter de faire des choses comme ça. C'est-à-dire que vaut mieux croiser dans un angle très fermé qu'un angle très ouvert. Parce que ça fait comme une grille de mots croisés. D'accord? Évitez des petits traits comme ça, un petit peu au hasard. Il vaut mieux les resserrer pour que ça crée une ombre. Ça, c'est un conseil personnel. Après, vraiment, moi, il me tarde de voir ce que vous allez faire. Ok? Voilà, juste un petit phare comme ça. J'ai pas le nom du phare. Je suis désolé, je l'ai trouvé sur Internet. J'ai pas le nom du phare. Et on va mettre juste un tout petit peu de couleur pendant que ça sèche. Ok? On va faire un joli rouge, par exemple. Allez, on va faire le haut. Hop. Et le bas. Est-ce que ça suffit? Oui, non, je ne sais pas. Là, pour moi, ça va suffire à cause du temps, le temps qui nous reste. Mais est-ce que c'est besoin de faire un ciel? Soit il est très nuageux, mais là, je suis en train de faire un ciel. C'est peut-être pas la peine. Est-ce que là, des rochers? Oh, peut-être un petit peu des rochers, alors. On va voir. Mais vraiment à peine, quoi. Voilà. Puis la mer, alors là, je vous renvoie sur ce que j'avais fait sur les cours sur nuage. Vous pouvez comme ça aplatir le pinceau. Et ça vous fait une mer comme ça. D'accord? Voilà. Donc vous l'avez vu en direct, il n'y a vraiment pas grand chose. Je vous le remonte de près. Voilà. Là, c'est en train de sécher là-haut. Voilà. Ah non, c'est pas d'Oléans. Je sais pas, je suis désolé. C'est comme Montréal, hein, vous allez pouvoir me rectifier tout à l'heure. On va enlever ça. Quand ça bavoche comme ça, vous essuyez. Doucement. Voilà. Je suis bien. Merci Jojo. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait refaire un phare. Une petite idée. Je savais que je voulais le placer. Merci Joseph. Je savais que je voulais le placer quelque part. Alors c'est pas du tout la même région, donc vous m'excuserez. Vraiment, vous m'excuserez pour les différences géographiques. D'accord? Désolé pour ça. Alors là, par exemple, si j'arrive avec un feutre très fort, noir, si j'arrive avec un bic très fort, ça va être un petit peu agressif. Donc je vais prendre plutôt un crayon doux pour pouvoir dessiner. Et là, on va faire un petit Mont Saint-Michel très simple. Mont Saint-Michel, hein, vous voyez, c'est juste une petite. D'abord, au début, je voulais faire un phare, pour être honnête. Et comme je l'ai fait là, je voulais caser le Mont Saint-Michel, mais vous voyez, alors. Pas de jaloux. Pas de jaloux, c'est ça. Hop. Alors, j'y suis jamais allé. Enfin, je veux dire, j'ai jamais gravi, en fait. Je voyage un petit peu par procuration grâce à ce que vous voyez là. J'y suis allé, hein, Bretagne, Maroc, Betson, tout ça, mais voilà. Imaginez qu'un carnivoyeur aussi, vous travaillez par code et par inconscient collectif aussi. On reverra la petite vue de Paris, mais voilà. On va y aller, on va faire un truc comme ça. Je pense que le Mont Saint-Michel, c'est connu partout.
Alors pareil, les puristes me diront là, j'ai mal fait, etc. etc. Dites-vous que ça c'est un carnet de voyage, encore une fois, je ne vais pas remonter ça. Vous voyez, hein, surtout pas ça. Pas là, c'est pas le moment. Hop. Voilà. Alors, un petit Mont-Saint-Michel dans la pénombre du soir qui tombe. Hop. La marée qui monte au galop. Alors, vous embêtez pas, hein. Justement, on va y aller doucement parce qu'elle est en train de monter vite là et vous allez être submergé. Donc, on fait juste comme ça. Voilà. Et est-ce qu'on va faire un petit peu de couleur là-dessus? Un pinceau plus fin, justement. Voilà. Évidemment, un petit peu de vert aussi. Peut-être ça va baver dans le bleu que j'ai déjà mis, donc là, regarde, ça bave un peu. J'ai un petit peu de verdure. Et c'est sable comme ça qui sort. Ok, on peut foncer un petit peu sur le bas pour donner un petit peu d'accent. D'accord. Là, je trouve c'est un peu saturé, je tapote un peu. Voilà, je trouve c'est. Hop, on enlève le scotch. Donc là, hop, voilà. Donc là, on a dépassé l'heure. Moi, je reste un quart d'heure. Ceux qui peuvent rester avec moi, je suis ravi. Si vous pouvez pas rester. Allez, 10 minutes de plus pour faire des personnages. Si vous ne pouvez pas rester, je vous invite à revoir le replay, parce que je vais faire maintenant des personnages. Hop. Voilà. On enlève le scotch. Ah, j'ai un petit peu trop appuyé, mais c'est pas grave. Il y aura des petites. Et voilà. Vous voyez, ça fait une bordure. Ça fait une bordure nickel comme ça. Ouais. Vous voyez, ça fait un cadre naturel. Et pourtant, j'ai pas fait grand chose à l'intérieur. Pareil, là, on peut écrire un texte, on n'aura pas le temps, mais là, vous pouvez écrire un texte personnel sur la Bretagne, sur vos expériences, des souvenirs. Il y a plein de choses à faire, vraiment plein de choses à faire. Donc, petit récapitulatif, je vais tourner pour qu'on voit bien. Hop. Et on va faire les personnages pour la fin. Donc là, je vous invite, quand vous les posterez, écrivez-moi quelque chose. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais écrivez quelque chose toujours dans cette dynamique d'être dans le même sens, avec une belle écriture, etc. Alors, on revient. Paris, Montréal, j'ai laissé du blanc. À vous de faire d'autres petits croquis, de découper quelque chose. Vous pouvez découper, par exemple... Vous pouvez coller un bout de journal, par exemple, imaginons que c'est un journal local. Vous collez ça et vous dessinez, vous pouvez mettre des petites choses, etc. Là, le ticket de métro, vous vous souvenez. Ah oui, aussi, ce que je voulais vous montrer, regardez, par exemple. Le côté carnet de voyage, on colle des choses, mais on n'a pas forcément de la colle avec soi. Donc, quand vous revenez le soir à l'hôtel, chez vos amis, vous faites juste ça, regardez. Juste ça, par exemple. Et c'est un côté un peu... Ah, j'ai scotché comme ça. Hop. C'est tout bête. Là, vous pouvez le faire décaler parce que tout est droit. Là, il nous reste de la place. Et là, tous nos amis de Montréal, de Québec, vous pouvez mettre un petit texte qui nous rappelle ça. Là, notre petite zone. Voilà. Ça a un peu bavoché parce que je me suis dépêché, mais vous avez compris le principe. Le vide, comment l'occuper ou ne pas l'occuper. Vous pouvez juste faire ça, hein, par exemple. Vous pouvez mettre Mont-Saint-Michel. OK. Phare de
phare 2, je ne sais pas pour l'instant. Et là, vous mettez 5 avril 2022. Et peut-être juste ça, ça met en valeur. C'est-à-dire que ce dessin-là n'est pas extraordinaire. Mais par sa mise en scène par rapport aux autres, ça va lui donner du peps. Et on va faire un dernier exercice. Je sais que je vais assez vite, mais encore une fois, il y aura le replay. Sur des personnages. Alors, hop. Je vais m'inspirer d'un livre qui s'appelle Paris, ville ouverte, qui est aux éditions Rue Saint-Ambroise, qui est une revue de nouvelles qui a édité ce superbe livre sur Paris. Et je salue Françoise Cohen, Bernard Dottoro, voilà, que je connais bien, qui ont écrit ce livre sur tous les arrondissements de Paris. Donc là, on va faire des petits personnages. Alors, souvent on me demande, mais comment je peux dessiner des personnages en mouvement? C'est sûr, quand il bouge, vous ne pouvez pas le faire. Bon, mais quand même, on va essayer de faire un petit compromis. Là, je prends volontairement des personnages. Je regarde. les personnages. Pour simplifier quand même. Un personnage, ça sera toujours ça. Une tête, la marque des épaules, un torse et deux jambes. Oublions les pieds pour l'instant, d'accord? Après les bras, soit ils sont le long du corps, soit il attend. C'est extrêmement simple, mais ça va être ça. Donc votre personnage, quand il est en train d'attendre à l'arrêt d'un bus, ou il appelle un taxi, il a un chapeau, elle a une robe, elle a des bottes, après vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez. Donc là on va faire des petits personnages, comme ça je vais commencer en haut là. Donc là, on va faire juste les silhouettes. Imaginons que ces personnages marchent dans la rue. Vous pouvez prendre aussi des photos des personnages et après les redessiner quand vous revenez à l'hôtel, etc. Donc là, je vais faire avec plein de techniques différentes. Un sac à main. Là, je le fais sombre parce que c'est un petit peu dans l'ombre. Voilà, des petits personnages très très simples. Vous voyez? Ok. Ensuite, j'en ai marre de plein, on va les faire. Ça aussi, personnage qui marche. Là, on va le faire tout petit, par exemple, avec l'effet de marche, en fait. Pareil, tête, buste, et là, voilà. Je sais pas, on peut lui faire un sac à dos, par exemple, mais c'est rien. Peu importe, un petit personnage qui marche. Tranquillement, et puis d'autres personnages derrière. Si vous avez en tête déjà un personnage déjà fait, et vous allez être à l'aise avec des vrais personnages dans la réalité, parce que ben vous savez déjà comment les faire, et après vous adaptez. Ah, lui, il a un sac à dos, lui, elle a telle, je sais pas, n'importe quoi, lui, un chapeau, un manteau, etc. Voilà le type de croquis que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan? Là, je vois un stand, etc. Et là, vous pouvez dire, mais là, ça, c'est moi qui suis en train de voyager. Voilà, un personnage. Ok? Attendez. Ah, quelqu'un d'assis. Sympa, ça. Allez, on va le faire crayon et aquarelle. Ok? Ça va, merci, Jou. Donc, il a un petit béret. Imaginez, là, il peut partir à tout moment, ce monsieur. Mais vous êtes juste derrière lui, à la terrasse d'un café. Vous voyez aussi, c'est à Saint-Sulpice. Hein. Donc là, c'est pas... Enfin, je pense, oui. Café là. Oui, Saint-Sulpice. Donc, voilà.
le col. Voilà. Les bancs caractéristiques de Paris. D'ailleurs aussi, je pense, mais en tout cas. Voilà. Là, c'est des silhouettes. Là, on va faire un petit peu plus de détails. Et après, on fera vraiment le visage tout à l'heure. Voilà. Là, je vois pas trop bien ce qui se passe, donc je vais vite. Peut-être qu'il va bouger. Je sens qu'il est en train de bouger. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une assise parce qu'on dirait qu'il vole. Donc là, je fais quand même. On va faire les pieds du banc. Voilà. Et petite perspective avec le banc. Ok. Voilà, et on s'est dit, mais au moins il est resté le temps que je fasse le dessin. Alors, si vous voulez faire les glisses en supplice, on va faire un tout petit peu de couleur. Elle est où ma boîte? Allez, donc la photo est en noir et blanc. Allez, on va lui faire quelque chose d'un petit peu gai, joyeux. Costume bleu, manorak bleu, un pantalon, oh, beau pantalon rouge, faire un tout petit peu plus encre, voilà, les chaussures un petit peu plus foncées. D'accord. Le béret, on va le faire un tout petit peu plus foncé, juste pour dynamiser le truc. Alors, la tête ou pas? Pas besoin. Peut-être pas. Alors, les bancs sont souvent dessus de ce vert-là. Ce vert, pas aussi vert, mais un vert assez prononcé. Vous pouvez le faire comme ça, très doucement. Vous n'êtes pas obligé de faire le visage du tout. Hein. Là, je serais tenté de ne pas faire le banc. Parce que ça fait une ouverture de là. Mais bon, on peut quand même essayer de faire le banc. Mais je le fais quand même. Moi, je l'aurais pas fait sinon, mais c'est parce que ça fait une ouverture comme ça. Après, c'est à vous de voir ce qui se passe. Voilà. Ok, d'accord. Alors, le visage aussi, un petit conseil, quand vous faites un visage, ne faites, par exemple, vous faites son visage en gros plan comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Ah, il n'a pas bougé, je vais en profiter pour continuer à le dessiner, ce monsieur. Donc, vous faites le visage juste comme ça. Vous marquez juste deux choses en premier. Les yeux, l'arcade, et sous le nez. Et ça suffit. Ça suffit largement. Après, vous pouvez faire une bouche, etc. Mais juste ça, pour l'instant, ça suffit. Et vous avez un profil, comme ça. Ok. Et là, vous avez fait un petit croquis rapide. Et là où vous mettez de la couleur, c'est, pour moi, c'est assez précis. Vous en mettez très très peu, mais juste aux endroits de jonction, c'est-à-dire l'œil, sous le nez et la bouche, juste là. Et après, vous pouvez faire un petit peu tout ça. Ne faites pas tout le visage. Ok? Alors, on va refaire son béret un petit peu plus foncé. Et vous pouvez revenir, effectivement. Je vais le faire un peu plus souriant parce qu'il est content de... Voilà. Vous pouvez revenir dessus, etc. D'accord? Oui, ça a été fait assez rapidement. Il est resté assis et il n'a pas bougé. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Voilà. Il est quelle heure? Encore 2 minutes. Et on va s'arrêter à l'écart. J'avais prévu plein de choses. Voilà un couple d'amoureux. Il y avait un visage à la fin. Je voulais vous le faire quand même. Très très belle photo dans cet ouvrage. Voilà, on va faire un petit portrait. On peut en faire plein. Hein. Alors les portraits, c'est un petit peu dur, mais on va quand même essayer. D'accord? Donc là, ce que je conserve, on va faire au crayon. Là, par exemple, elle, on va faire pas mal d'ombre. Vous faites... D'abord, le contour général
de votre modèle. Essayez de ne pas voir que c'est un être humain au début. Homme, femme, enfant, non. Essayez de juste voir les pleins, les vides. Voilà, moi je vois une ombre là. Je vois une grande ombre. Ok, là je vois une autre ombre. Là je vois une autre ombre. Alors ça, c'est possible dans un café, si la personne parle à une autre personne pendant un certain temps, c'est possible de la dessiner, de le dessiner. Je suis un peu loin de mon sujet pour que vous voyez bien. Pour l'instant, c'est ça. Je continue. Le manteau. Ok. Alors elle vous empêche de le faire d'après photo en rentrant à l'hôtel, etc. Les petits croquis, vous les faites vraiment dans la rue. Voilà. Et voilà notre petit personnage qui discute dans un bar. Vous avez bien vu que j'ai pas affiné le visage. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la limite. Je sais évidemment ce que sont les choses, mais dessiner ce que l'on voit et non pas ce que l'on sait. On en a déjà parlé de ça. J'espère que je ne le fais pas trop. Le regard. Et vous voyez? Voilà. Alors on pourrait faire plus vos émeutes. En 1 h 15, on en a fait 4. Voilà. Donc voilà une petite. Alors là, je pourrais mettre de l'aquarelle aussi. Petit récapitulatif. Il est 7 h 15. Pensez toujours l'image. Le texte, le vide. Ok, c'est mon conseil. Après, vous trouverez des millions de façons de faire. Donc voilà notre petit voyage. Je les trouve assez vides là pour le coup. Là, moi, j'aurais mis un long texte, par exemple. J'aurais mis un long texte ou une carte. Souvent, je les fais. C'est assez simple hein, de faire ça. Hein. Vous faites des. Là c'était des autocollants, des timbres. Vous pouvez acheter des timbres sur place. Un dessin. Ah voilà, des livres aussi, regardez. Faites ça, vous voyez. Vous prenez un livre, vous déchirez une page, et voilà. Ça, je le fais sur des livres aussi. Donc là, oui, il y a du vide pour moi. Ce dessin, je suis pas très content, mais je pourrais l'améliorer avec des trucs comme ça. Là, il y a du vide. Donc pensez bien, superposition aussi des matières pour donner du sens. Des petits scotchs, voilà. Pas de texte trop gros, etc., etc. Ensuite, elle qui est vraiment vite pour le coup, parce que vous voyez qu'on n'a pas eu le temps en 1 h. Mais là, j'ai mis du scotch autour. Et voilà, un petit phare. Et voilà, tout de suite, on voyage. D'accord. Voilà, on a un petit texte ou pas. Et le dernier qu'on a fait sur nos petits personnages. Voilà, mouvement. Entraînez-vous d'après les photos. Et comme ça, ça vous permettra de faire ça. Voilà, donc on a un petit peu dépassé. Et je vous remercie d'être restés si nombreux pendant tout ce cours. C'était vraiment un régal. Je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont aidé à préparer cet atelier. À Joseph qui est à côté de moi. Qui me... Arrête.
qui me prête son chez lui parce que c'est trop petit chez moi, donc je suis ravi. Je remercie Alain Devienne et Claire Jacquin. Je salue chaleureusement aussi mes collègues Claire Lise et Zoé qui font des ateliers merveilleux et vous trouvez toutes les infos sur le site. Et puis merci à vous tous, vous êtes près de 14 000 et continuez à nous envoyer. Faites, inspirez-vous de ça, déviez de ça, essayez de le tordre, essayez plein de choses. Et si c'est raté, là, si vous faites vraiment un dessin raté, ben vous imaginez que là-dessous, le dessin était raté, mais vous collez quelque chose. Donc il y a mille façons de faire, il n'y a aucun problème. Je crois que j'ai tout dit. Il y a toujours le tirage au sort pour le concours pour gagner des produits. Donc là, nos carnets XL. Hop, voilà, et des crayons, et j'ai travaillé, voilà, avec tout ce que vous avez vu, donc voilà, donc n'hésitez pas à varier, voilà, des doubles pages, faites des essais, des expériences, voilà, technique, là, du scotch autour, voilà. Je ne peux pas tous vous les poster, mais c'est quand même pour vous dire que tous ces dessins que j'avais faits, ils sont présents dans un livre que j'avais sorti sur l'aquarelle Je me lance, vous voyez. Ça, c'est le carnet, vous reconnaissez, là, ce que je vous ai montré. Ils sont présents pas mal dans ce carnet, là, Aquarelle, je me lance aux éditions Massin. Hop, je le remontre. Voilà, merci à tous. On a un petit peu débordé, mais on me l'avait demandé aussi que c'était pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster vos créations. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci à tous, au revoir.